déclaration prophétique pour expérimenter l'onction du Saint-Esprit, volume 1. Je déclare que je suis arrosé de l'huile fraîche du Saint-Esprit. Je déclare que l'onction que j'ai reçue de Christ demeure en moi. Cette onction est véritable. Elle m'enseigne toutes choses et il n'y a point de mensonge en elle. Je déclare que je suis revêtu de la puissance d'en haut. Son onction sur moi est puissante pour accomplir des miracles et pour répondre aux besoins du monde qui m'entoure. L'onction sur moi est là pour me permettre d'accomplir des choses impossibles à l'homme. L'onction me qualifie pour la fonction. Dans sa présence, des cascades d'onction tombent sur ma vie et je suis rempli, conduit et revêtu de l'Esprit. Je déclare que l'onction de puissance m'enveloppe à chaque fois que je dois faire le ministère. Je ne bougerai pas sans l'onction. Je n'entamerai rien sans onction. Je suis positionné pour l'onction. Je suis disposé pour l'onction. Je suis conditionné pour l'onction. Je suis désigné par onction. Je suis remué dans tout mon être par l'onction. Je suis transformé en un autre homme par l'onction. Je suis propulsé dans l'onction. Je déclare que la communion du Saint-Esprit me permet d'entretenir l'onction dans mon cœur. Je vis dans l'onction et je vis par l'onction. Je déclare que sans l'onction, je ne peux rien faire. J'ai choisi de vivre en totale dépendance du Saint-Esprit. Je ne fais pas confiance à mes propres forces, je n'ai pas confiance en moi-même, mais en l'onction de son Esprit dans ma vie. Je déclare que chaque jour, je reçois la mesure d'onction dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée. Je dépends de l'onction et je fais la différence. Je déclare et confesse que je marche par la foi et dans l'onction. Avec Dieu, je fais des exploits dans ma génération. Je déclare que j'impose les mains aux malades et ils sont guéris. Je déclare que je chasse les démons. Je déclare que je suis divinement protégé à cause de la marque de l'onction dans ma vie. Je déclare que les miracles m'accompagnent dans mon ministère au nom de Jésus. Je me souviens tous les jours que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son Esprit que chaque montagne se déplacera. Chaque jour, je suis oint d'une huile fraîche et ma coupe déborde. Tout ce que j'ai reçu de Dieu, je l'ai reçu à cause de l'onction. L'onction initie et confirme ma position en Christ. Je déclare qu'en tout temps, mes vêtements sont blancs et que l'huile ne manque jamais sur ma tête. En Christ, je suis un roi et un sacrificateur qui expérimente l'onction et je suis légitime dans la place qui est la mienne. Je déclare que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein et arrosent ma génération. Chaque jour, je lave mes pieds dans la crème de la parole et Christ, le rocher, répand près de moi des ruisseaux d'huile. Je reçois la puissance pour prêcher l'Évangile. Sous l'onction, je prêche l'Évangile tout entier, à l'homme tout entier, au monde tout entier. L'onction de guérison accompagne ma prédication et mon enseignement. Mon église est sous l'influence de l'onction du Saint-Esprit. Ma maison déborde d'onction. Mes fils et mes filles sont des disciples de l'onction. Comme Christ Jésus a été oint du Saint-Esprit de force, allant de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Ainsi, je suis oint au nom de Jésus et Dieu est avec moi. J'aime l'onction et je la protège car elle est sacrée. Je garde mon cœur pur par sa grâce afin que son onction reste pure en moi et sur moi. Je me garde de tout ce qui peut polluer l'onction du Saint-Esprit dans ma vie au nom de Jésus. Je reconnais et je me rapproche des intimes de l'onction. Je m'éloigne de ceux qui combattent et critiquent l'onction. J'attends le Seigneur tous les jours dans mon lieu secret
et mes forces sont renouvelées et je prends mon envol comme un aigle vers de nouvelles hauteurs dans l'onction. Tout ce que ma main trouve à faire, je le fais sous l'onction. Ma prospérité est l'onction de son esprit en moi et sur moi. J'expérimente les profondeurs de l'onction et je suis trouvé fidèle par sa grâce à chaque étape de l'onction dans ma vie. Encore, Seigneur, oui, encore plus d'onction, car les besoins de l'humanité sont immenses. De l'onction, plus d'onction pour la mission. De l'onction, encore plus d'onction pour une plus grande moisson. Je suis un intendant de l'onction, c'est pourquoi j'en prends soin comme la prunelle de mes yeux. Mon pire cauchemar est d'attrister le Saint-Esprit. J'aime sa présence plus que tout. Sa présence avant celle des hommes, sa présence au-dessus de celle des hommes. Je poursuis son cœur, je cours avec l'onction et j'accomplis la vision de Dieu. Je gagne du terrain et je ne suis jamais fatigué. Au contraire, de nouvelles forces me sont données pendant la marche. Le Seigneur Jésus oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile de sa présence me touche et fait éclater les jougs aujourd'hui, demain et jusqu'à son retour. Je déclare que je resterai au contact du Saint-Esprit qui est mon meilleur ami et mon partenaire de vie. Je demeurerai en Christ selon les enseignements que me communiquera son onction qui demeure en moi. Amen. Je reçois ton onction. J'accueille ta présence. Mon cœur est ouvert. Je suis disponible. Remplis-moi. Conduis-moi, revêt-moi de ton onction. Rakatama so preve que terie me chanto prafatariaso. Enderio boko shintrefe preme kosianda. Je sais que tu es là, je sens ta présence. Embro fataria maso kate. Je pratique ta présence. Je m'attends à toi dans le lieu secret, comme l'aigle s'attend au vent ascendant qui l'amèneront dans des nouvelles hauteurs. Membro che si abbraffando io bocconto, que le vent de ton esprit m'emporte. Je déploie mes ailes en toi. J'atteins de nouvelles cimes par ton onction. De gloire en gloire, de profondeur en profondeur, d'une mesure à une autre, plus grande encore, afin d'accomplir ces œuvres plus grandes que tu m'as appelé à accomplir en toi. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père aime le Fils, c'est pourquoi il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Viens nous étonner, onction de Dieu. Surprends-nous dans cette génération. Rebaka Sotori.